Nous reprenons notre direct. Nous venons de revenir au QG des Gilets jaunes à Lu. Donc je vous rappelle que les Gilets jaunes de Lu ont tenté de se manifester devant la sortie d'autoroute Chalon Sud en faisant lever les barrières en permettant aux gens de passer sans payer, et qu'au bout d'une 20 minutes, les gendarmes mobiles les ont gentiment demandé de l'évacuer. C'est ce qu'ils ont fait, et ils sont donc de retour à leur QG. Vous voyez, il y a un peu de monde. Voilà. Donc le QG de Lu, en Saône-et-Loire, pour ceux qui ne sont pas de Chalon. Voilà. Les voitures. Donc ce rond-point n'est pas du tout bloqué ni ralenti. Les gilets sont là. Ils sont autour du feu. Et voilà. Nous allons les rejoindre. Voilà. Vous voyez, certains sont pour le Frexit, c'est-à-dire que la France quitte l'Europe. C'est une idée qui n'est pas partagée, bien sûr, par tous les Gilets jaunes de Lu. Et voilà, nous sommes devant la boîte aux lettres. Vous voyez un petit peu les gens qui ont accepté de mettre leur nom, qui sont membres du campement. Nous avons une hôtesse d'accueil, un pompiste, un étudiant, un opérateur, un intérimaire, un serrurier, un retraité, une aide à domicile, une ouvrière, un autre entrepreneur, un étudiant, un mécano, un intérimaire, une chômeuse, un électricien, un ouvrier viticole, un machiniste, une bachelière, une retraitée, un infirmier, un routier. Et voilà. Ça se voit, hein. C'est important. Il va durer peut-être tout l'hiver. Et la tente de repos des gilets. Voilà. Voilà. Voilà, donc à Dijon, ils ont... À Dijon, il faut dire, il y a du monde à Dijon. Il y a tout ce qu'on fout la rocade, c'est la rocade. Le jour que j'étais à Dijon pour des examens de santé, en venant, il y avait Raf. Il y en a pour beaucoup, il y avait 7-8 facteurs. Toujours au QG de Lu. Voilà. Donc, je pense que certains vont regagner leur domicile pour revenir à un autre moment. Et je vous rappelle que certains sont partis à Magny, vers Mont-Saint-les-Mines, pour filtrer, occuper, bloquer un rond-point important sur la RCEA. Donc nous quittons pour l'instant ce direct. Je ne sais pas si nous allons le reprendre. S'il ne se passe rien de nouveau, nous vous laisserons à vos occupations. Merci de nous avoir suivis. Que
Vous voyez, une petite distribution de porte-clés donnée par un sympathisant, porte-clés de 2000, hein, donc voilà, un peu, qui date un petit peu. Mais voilà, donc nos gilets font non pas un filtrage, mais une distribution de petits cadeaux. Voilà, et vous voyez qu'il y a des sympathisants qui donnent de l'argent pour que les gilets puissent continuer leur combat. Ils vous offrent une Rolls en 2019 avec un porte-clés. La même couleur, jaune. Ça vous intéresse? Bon, ça va, merci. Vous voulez c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Hein. Oui. Merci. Ah oui. Bon courage. Ah oui, c'est gratuit. On ne demande rien. Hein. Bon courage. Allez, Bernadette, montrez-moi un petit peu nos porte-clés là. Ce que vous offrez au. Voilà. Mon vœu de l'an 2000, inscrivez votre vœu sur le parchemin, pliez-le, enfermez-le dans le médaillon, vous savez jusqu'à l'an 2000. Et voilà donc tout ce qui est offert. Donc il y en a 300 qui ont été donnés voilà. Par un sympathisant. Et donc les gilets partagent. Voilà. Ah, on a déjà eu. Ouais, donc. Il y a eu un hier soir. Il y a eu un théâtre. On a fait 6 voitures de pneus là. On est en train de faire. Ils sont venus, là, donc voilà, nous allons quitter le rond-point des Gilets jaunes. Voilà, dernier petit tour. Voilà, tout. Voilà. Donc, distribution au petit rond-point de Lue, de porte-clés de l'an 2000, donné par un sympathisant. Il y en a 300 distribués. Donc voilà, les gilets sont là, ils distribuent. Donc voilà, merci de votre présence. Nous vous quittons et à bientôt pour d'autres reportages, d'autres directs. Je vous rappelle que nous étions hier place Saint-Vincent pour un spectacle Terre de Feu par la Arcata et que ce joli spectacle de 20 minutes de jonglerie de feu est en ligne sur notre Facebook et qui sera bientôt en ligne sur notre site Chalon TV. Voilà, bon, au revoir à tout le monde. Bonjour monsieur David. David nous dit bonjour. Bonjour David. Voilà, donc nous allons quitter, nous allons aller ailleurs faire d'autres reportages.
car nous nous intéressons, je vous rappelle, Chalon TV, à tout ce qui se passe sur le Grand Chalon au niveau culturel, sportif, humanitaire, politique, social, etc. Allez, merci d'avoir suivi ce direct que vous retrouverez sur notre page Facebook et sur notre site chalontv.info. Merci, bonne journée, bonne samedi, bonne fête, si on ne se revoit pas.